Mesdames, messieurs, bonjour. Avec l'enchaînement du petit ballon et du Platzer-Wasel, l'étape semble destinée à un grimpeur. Toutefois, certains coureurs ayant lâché prise dans ces ascensions pourraient très bien refaire leur retard avant l'arrivée. Eh bien, salut à tous les amis et content de vous retrouver pour la 6e étape de la Vuelta entre Villarreal et Sagonte. 198 km sont au programme en ce 24 août 2017. Et donc, on va tenter d'envoyer Lauren Stendam dans l'échappée matinale, vous le voyez, hein, un très beau profil aujourd'hui. Allez, c'est parti, attaque du Néerlandais de l'équipe Sunweb. On espère évidemment qu'on va avoir de l'aide, hein, parce que je vous le dis à chaque fois, mais tout seul, c'est très très compliqué. Vous voyez, un Stendam, un très bon état de forme aujourd'hui. Lui qui peut épauler Barguil dans la montagne. On va tenter un coup aujourd'hui avec lui. Allez, c'est parti. Regardez, Valverde ne veut déjà pas laisser partir le Néerlandais. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, aujourd'hui, 4 difficultés, vous le voyez sur le profil. 2 cols de deuxième catégorie et 2 cols de première catégorie. Alors que c'est Tony Martin derrière qui est sorti du peloton. Ah, ça serait un renfort magnifique, hein. Le Panzer allemand, Tony Martin. Ah, s'il peut revenir, ça peut être un renfort de grande qualité. Va tenter l'allemand de la Katusha. Peut revenir sur Stendam. Stendam qui va évidemment diminuer l'effort en attendant le retour de Tony Martin. Alors que oui, on a 1 minute 32 d'avance sur le peloton. C'est bien parti pour le Néerlandais. Et on voit Tony Martin qui arrive, les amis. Ouh là là, le beau renfort. Et voilà, c'est fait. Deux hommes en tête. En ce début de 6e étape, Lauren Stendam de la Sunweb et Tony Martin de la Katusha. Et Tony Martin qui roule déjà, je vous l'avais dit. Un rouleur de grande qualité. Tony Martin est l'un des tout meilleurs rouleurs. Plusieurs fois champion du monde de la discipline. On y reviendra un petit peu plus tard sur son palmarès au coureur allemand. Le Panzer, comme il est surnommé, tellement il roule fort. Allez, en tout cas, les deux hommes qui s'entendent bien. 2 minutes 06 d'avance sur le peloton, c'est bien parti. À 107 km de l'arrivée. Ils se dirigent tous les deux vers la première difficulté de la journée, un col de deuxième catégorie. Et c'est Lauren Stendam qui reprend le relais. Et encore une fois, les amis, aujourd'hui une étape très très belle, hein, vous le voyez, avec à nouveau un col légèrement avant l'arrivée.
Donc on verra ce que ça donnera avec les favoris de cette Vuelta 2017. En tout cas pour le moment, on se concentre sur l'échappée matinale de cette sixième étape. Lauren Stendam, le néerlandais de la Sunweb, et Tony Martin, l'allemand de la Katusha. 2,47 d'avance à l'instant. C'est bien parti. Hein. Alors que Christopher Froome, en effet, n'a pas l'air de nous laisser plus d'avance. On va voir ça. En tout cas, pour le moment, l'écart qui monte encore un petit peu. C'est évidemment de bon augure pour les deux hommes de tête. Et ça s'entend bien, vous le voyez. Lauren Stendam, le dossard 128 de l'équipe Katusha. De l'équipe Sunweb, pardon. Et Tony Martin, le dossard 51 de l'équipe Katusha. On remarque un léger vent de face en ce début d'étape. On espère évidemment que ça ne soufflera pas très très fort. Car ça peut être un handicap hein, pour les deux hommes de tête. Et l'écart qui stagne maintenant avec le peloton, 2,46. Alors que les deux hommes se rapprochent de la première difficulté, donc de cette sixième étape de cette Vuelta. Un col de deuxième catégorie, Tony Martin en tête. Les deux hommes bien encouragés par le public. Ils en auront besoin tout au long de la journée. Si évidemment ils vont très loin. On n'en est pas encore là. Regardez, Lauren Stendam qui prend un relais. Et voilà, c'est parti. Ils ont tourné à droite. Et c'est la première difficulté de la journée. Un col de deuxième catégorie. Et c'est Lauren Stendam qui se place en tête. Le très bon grimpeur néerlandais de l'équipe Sunweb. Tony Martin bien calé dans sa roue. Allez, deux coureurs qui peuvent vraiment bien se compléter aujourd'hui. Hein. Tony Martin sur le plat. Et Lauren Stendam pour l'école. C'est d'ailleurs ce qu'on voit. Hein. On a vu Tony Martin rouler sur le plat. Et maintenant, c'est le néerlandais qui roule dans cette première difficulté de la journée. Un col de deuxième catégorie. On est repassé au-dessus des 3 minutes. À 95 km de l'arrivée. Allez, les deux hommes qui sont à 5 km du sommet. Et regardez l'écart qui monte. Hein, sous l'impulsion de Lauren Stendam. Très bon grimpeur, hein, le néerlandais. Regardez, ça monte très très vite. Et les carrousels hein, qui grimpent. 3,45 sur le peloton. Le mieux placé au général des deux est bien évidemment Lauren Stendam. Et il ne laisse pas passer l'allemand. Hein. Stendam. Un gros relais là depuis le début du col. Et il roule très fort, hein, Stendam. Vous le voyez, l'écart qui est monté maintenant à 4,23 sur le peloton. Un très bon tempo là imposé par le néerlandais de la Sunweb. Regardez Tony Martin qui a du mal hein, à s'accrocher. Là, il parvient à revenir. En danseuse, le coureur allemand. Alors que Lauren Stendam est bien calé sur sa machine.
a encore un peu plus de 2 km d'ascension. Et les deux échappés pourront récupérer dans la descente. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe. Et ensuite ils seront sur le sprint intermédiaire de l'étape. Et regardez un Tony Martin qui doit se mettre en danseuse. Ah, c'est un très bon grimpeur, hein, le néerlandais. Lauren Stendam. Allez, on se rapproche du sommet. Pour les hommes de tête. Et à nouveau, hein, l'équipe Sunweb qui parvient à placer un coureur à l'avant de la course. Le maillot jaune change d'épaule. Donc c'est de bon augure, hein, pour notre maillot jaune, le leader de cette Vuelta, Warren Barguil. Mais aujourd'hui, il faudra faire attention parce que l'étape s'annonce très nerveuse dans le final. Et on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, les deux hommes arrivent au sommet de cette première difficulté de la journée. Et regardez, hein, cette Tendam qui va passer en tête et qui va prendre 5 points pour le maillot de meilleur grimpeur. Donc on ne sait jamais pour Tendam. On verra jusqu'où il peut aller. En tout cas, les deux hommes qui vont maintenant récupérer dans la descente. Et regardez, directement dans la descente, c'est Tony Martin qui se replace en tête. Les deux coureurs s'entendent bien. Donc c'est bien parti pour eux. 6 minutes d'avance sur le peloton à 87 km de l'arrivée. On va les laisser bien récupérer dans la descente. Et on va se retrouver un petit peu plus loin sur l'étape. On va sans doute se retrouver pour le sprint intermédiaire du peloton. On est plus allez, à tout de suite, les amis. Sprint intermédiaire pour les hommes de tête. Celui qui passera en tête empochera 20 points supplémentaires pour le classement par points. Et on se retrouve, comme je vous le disais, avec le peloton. Le peloton qui arrive sur le sprint intermédiaire. Nous sommes évidemment avec Michael Matthews, le porteur du maillot vert sur cette Vuelta. Alors qu'à l'avant, vous le voyez, c'est Tony Martin qui est passé en tête, qui a pris les 20 points devant Lauren Stendam. Allez, le peloton maintenant qui va arriver sur ce sprint intermédiaire. C'est parti, c'est Peter Sagan, le champion du monde, qui lance le sprint de très très loin. Michael Matthews dans la roue, Sagan toujours en tête. Michael Matthews va produire son effort, voilà c'est fait. Superbe sprint là de l'Australien, Michael Matthews, qui va aller chercher à nouveau des points pour son maillot vert. L'Australien qui prend donc 15 points. Sagan juste derrière lui en prend 13. Gaviria 11 points. Et donc voilà, très beau sprint à nouveau de Michael Matthews qui va conserver encore une fois son maillot vert. Et on va se retrouver tout de suite. On va retrouver les deux hommes de tête dans la deuxième difficulté de la journée. Et on retrouve notre échappé du jour, Lauren Stendam de la Sunweb. Et Tony Martin de la Katusha, les deux hommes qui sont maintenant dans la deuxième difficulté de la journée, un col de première catégorie. Ils ont un peu moins de 3 minutes 10 d'avance sur le peloton, à 74 km de l'arrivée. Et c'est à nouveau Lauren Stendam qui reprend le commandement devant. Nous sommes dans un col, donc c'est lui qui va dicter le tempo. Tony Martin va devoir s'accrocher tout au long de l'ascension. Alors qu'on est dans des pourcentages à 10%. Très difficile. Et regardez un Tony Martin toujours en danseuse. Alors que Lauren Stendam bien calé sur sa machine. On appuie sur les pédales et on monte. Très bon grimpeur, hein, le néerlandais. On va pouvoir parler un peu des échappés, hein, les amis. Puisqu'ils sont devant dans la deuxième difficulté de la journée. Et donc on a Lauren Stendam, le néerlandais de la Sunweb, 36 ans. Il a terminé 8e de la Vuelta en 2012 et 9e du Tour de France en 2014. Ce sont ses deux plus grands résultats sur les grands tours. Et ensuite, Tony Martin, le grand Tony Martin, né en 1985 à Cottbus, en Allemagne évidemment, 32 ans. Champion du monde du contre-la-montre en 2011, 2012, 2013 et 2016. Donc 4 fois champion du monde du contre-la-montre. Il a également remporté, écoutez bien les amis, le titre de champion du monde du contre-la-montre par équipe en 2010, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 et 2017. Je vous le disais, un palmarès exceptionnel, Tony Martin. Il a également remporté une étape sur le Eneco Tour en 2010. Il a également remporté une étape sur le Paris-Nice en 2011 et deux étapes sur le Tour de Pékin en 2011 et 2012. Et enfin, il a remporté 7 étapes sur les grands tours, dont 5 sur le Tour de France et 2 à la Vuelta. Donc voilà, un palmarès exceptionnel de Tony Martin, surnommé le Panzer. Le prochain sommet est excellent rouleur. Quasi le meilleur rouleur du peloton. 6, 4, 2 et 1 point pour le classement de la montagne. Et donc voilà, comme ça vous avez un petit aperçu des plus grands faits d'armes des deux coureurs. Échappé depuis le début de l'étape, de cette sixième étape donc. Ils sont maintenant à moins de 5 km du sommet. C'est toujours Lauren Stendam qui dicte le rythme. Tony Martin s'accroche toujours en danseuse, l'Allemand. Regardez, un beaucoup de monde pour les encourager. Alors que dans le peloton, ça commence à casser. Il y a des coureurs qui lâchent déjà. Excellent grimpeur, hein, Lauren Stendam et Tony Martin, excellent rouleur. Donc les deux hommes qui se complètent à merveille, hein, sur cette échappée. Alors que dans le peloton, c'est Julian Alaphilippe qui a commencé à faire rouler son équipe Quick-Step. Et oui, c'est une belle arrivée pour lui. Donc le Français qui vise l'étape, on verra ça dans le final évidemment. Alors qu'on a déjà un équipier qui lâche, Finkeldam. Ah dommage. Il va devoir s'accrocher. Et Phil Bohaus également lâché pour la Sunweb. Et attention, il faut bien s'accrocher les amis. Cette sixième étape qui peut faire mal. Regardez, beaucoup de monde. Ça va faire plaisir pour Tony Martin. Regardez à droite, le drapeau allemand. Il est encouragé par ses compatriotes. Regardez encore un nouveau drapeau allemand. On va bientôt le voir. Voilà, tout de suite ici à gauche, le drapeau allemand à nouveau. Alors que les deux hommes sont à 1 km du sommet. Tony Martin en danseuse. Et il accélère, hein, l'Allemand. Attention. Va-t-il aller griller la politesse à Tendam? Ça ne serait pas fair play, hein, ça. Il va évidemment le laisser passer. Et regardez, Tendam va revenir. Tendam va revenir, regardez, sans se mettre en danseuse, tout en puissance. Et voilà, il va passer en tête au sommet, le coureur néerlandais, voilà, top c'est fait. Il prend à nouveau 10 points pour le maillot de meilleur grimpeur. Donc c'est bien parti pour Tendam s'il veut prendre le maillot à poids. Il devra bien évidemment marquer beaucoup de points aujourd'hui. On va laisser les deux coureurs dans la descente et on va se retrouver un petit peu plus loin les amis. ...55 km de l'arrivée. On retrouve nos deux coureurs de l'échappée matinale, Lauren Stendam de la Sunweb et Tony Martin de la Katusha. Ils sont dans la troisième difficulté de la journée, un col de première catégorie. Tony Martin toujours en danseuse et Lauren Stendam qui reprend sa place de patron dans cette échappée. Tendam le patron dans la montée. Et Tony Martin, le patron, pour celui qui sur le plat. Mais il a de plus en plus de mal, hein, le coureur allemand, on le voit.
Il se remet beaucoup en danseuse. Alors que Tendam est toujours solidement calé sur sa machine, tout en puissance. Et ça devient dur pour Tony Martin, on le voit. Regardez les épaules qui bougent beaucoup. Est-ce que ça va être le col de trop pour le coureur allemand? Il a déjà passé deux grands cols. Est-ce que le troisième sera fatal? On va le savoir dans quelques instants. En tout cas, il a du mal, hein, on le voit. Alors que le néerlandais n'a pas encore accéléré. Hein. À mon avis, s'il accélère une fois, ça va en être terminé de Tony Martin. L'écart qui est maintenant de 3 minutes 35 sur le peloton. Et regardez, il doit à chaque fois se remettre en danseuse. Hein. Tony Martin, il est en train de piocher là. Ça devient compliqué pour l'Allemand. Alors qu'après, on aura une grande descente. Puis on ira chercher la dernière difficulté de la journée. Ce col de deuxième catégorie. Et Tendam qui dicte toujours le tempo. Tony Martin dans la roue, mais pour combien de temps encore, les amis? Oh, crevaison du maillot jaune Barguil, il faut reprendre la main, les amis. Et crevaison hein, pour le leader de cette Vuelta, Warren Barguil. Et vous l'aurez compris, les amis, c'est un fait de course qui nous oblige à reprendre la main avec le Français, mais qui devrait recoller sur le peloton. Hein. Gros moment de frayeur pour le leader de la Vuelta, Warren Barguil, qui a crevé. Et il revient maintenant sur le peloton. Ouh, on a eu chaud, les amis. On a eu chaud. Et voilà, Warren Barguil qui va reprendre tranquillement sa place dans le peloton. Et il va pouvoir remonter jusqu'à l'avant. Et donc, on va pouvoir repasser sur nos deux échappés, Lorenz Tendam et Tony Martin. Allez, on revient sur nos deux hommes de tête après cette grosse frayeur de Warren Barguil qui vient de crever. Et c'est Lorenz Tendam et il a l'air d'accélérer maintenant, le néerlandais. Attention, je vous le disais avant la crevaison de Warren Barguil que Tony Martin semblait en difficulté. Et à mon avis, le coureur néerlandais de la Sunweb l'a compris et il est en train d'accélérer sur ce col de première catégorie. Et c'est terminé pour Tony Martin. Et bien voilà, à 1 km du sommet, Lorenz Tendam qui accélère et il monte vite hein, là. Il monte très très vite le néerlandais. Tony Martin ne peut pas y aller. C'est terminé pour le coureur allemand. Et donc Lorenz Tendam, qui est à moins d'un kilomètre du sommet. C'est ici qu'il a choisi son moment pour accélérer. Alors que nous sommes à moins de 50 km de l'arrivée. 3,29 d'avance pour Lorenz Tendam sur le peloton. Il va maintenant passer en tête, voilà, top c'est fait, 10 points de prix à nouveau pour le coureur néerlandais de la Sunweb. Il va maintenant pouvoir récupérer dans une petite descente, et on ne va pas tout de suite descendre, hein. Regardez, ça remonte encore un petit peu. Bien gérer son effort pour Tendam, c'est très important, et regardez le public au bord de la route. Hein. Il est vraiment bien encouragé là, le coureur néerlandais de la Sunweb. Sur cette sixième étape de la Vuelta. Très belle étape, hein, les amis, entre Villarreal et Sagonte en ce 24 août 2017. On a maintenant un seul homme en tête. Il s'agit de Lorenz Tendam de l'équipe Sunweb. Il devient le leader du classement de la montagne. Est-ce qu'il peut aller au bout, les amis? Est-ce qu'il peut aller au bout, le néerlandais? On va savoir ça, hein. On va le savoir dans quelques instants. En tout cas, là, il est bien parti. Il a presque une minute d'avance sur Tony Martin. Tony Martin qui vient de rompre dans la troisième difficulté de la journée. Ce col de première catégorie. Et regardez comme ça remonte. Hein. On n'est pas encore dans la descente. Tony Martin est beaucoup plus loin derrière. Et voilà, Lorenz Tendam arrive maintenant dans la descente. C'est parti. Il va pouvoir récupérer. Pour les hommes de tête. Bien prendre les virages dans la descente, c'est très important. Et donc Tony Martin qui n'a pas pu suivre le néerlandais. C'était à prévoir. Hein. On le sentait un peu à la ramasse, le Tony Martin.
On le sentait en grande difficulté, il bougeait beaucoup les épaules, il se remettait tout le temps en danseuse. Et Lauren Stendam l'a sans doute vu. Et c'est donc pourquoi il a accéléré dans cette troisième difficulté. Et le Néerlandais qui est donc seul en tête sur cette sixième étape du Tour d'Espagne. Alors qu'ici je pense que voilà, la descente va pouvoir commencer. Il va pouvoir récupérer le Néerlandais, c'est parti. Il a plus d'une dix d'avance sur Tony Martin. 2,54 sur le peloton, à 40 km de l'arrivée. Donc il est pas mal là, Lauren Stendam. On va le laisser bien récupérer dans la descente. Il en aura grandement besoin, regardez. Alors qu'il prend bien ses virages, le Néerlandais de l'équipe Sunweb. Les équipiers mènent la chasse en tête de peloton. Les intentions ont l'air claires. Et oui, l'équipe Quick-Step qui commence à mettre en marche. Et on va se retrouver un petit peu plus loin dans le peloton, les amis, pour le final de l'étape. Et on retrouve le peloton à 30 km de l'arrivée. Dans cette sixième étape de la Vuelta. Alors que les choses sérieuses vont pouvoir commencer dans la dernière difficulté de la journée, ce col de deuxième catégorie. Et on retrouve Warren Barguil, le maillot jaune, le leader de ce Tour d'Espagne, victime d'une crevaison au cours de cette étape. On a eu un grand moment de frayeur là pour le Français, mais tout est rentré dans l'ordre, il a su recoller au peloton. Alors qu'à l'avant de la course, on a toujours Lauren Stendam en tête. On va le laisser se débrouiller seul en espérant qu'il puisse aller au bout, mais ça va être dur. L'écart qui diminue largement. 7 km à 6%. Il a moins de 2 minutes d'avance sur le peloton. Et Tony Martin revient un peu, hein, vous le voyez. Un peu plus de 40 secondes de retard pour le coureur allemand de la Katusha. Et regardez Warren Barguil qui remonte à l'avant du peloton. On va bien sûr devoir défendre ce maillot. Hein. Et voilà, c'est parti, la dernière difficulté, un col de deuxième catégorie. C'est la quatrième difficulté de la journée. Warren Barguil avec ses équipiers de la Sunweb. C'est le meilleur jeune qui tire le peloton, Young Girls. D'avance sur les favoris. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Et les équipiers de Warren Barguil qui remontent en tête du peloton. Et regardez, Tony Martin va déjà être pris, donc ça roule très très vite. 3, 2 et 1 point pour les 4 premiers au sommet du grimpeur. Qui est-ce qui va prendre les choses en main? Et attention, Izaguirre. Izaguirre qui accélère avec Contador. Attention, Warren Barguil qui prend directement la roue de Contador. 5 km du sommet. Et on a Pantano également. Attention à la trek, Pantano et Contador. Qui attaque dans cette dernière difficulté. Valverde dans la roue du maillot jaune. On a Quintana qui est là également. Tous les favoris sont là. Et attention, ça va attaquer. Pantano qui a essayé, il est repris. Et attaque de Romain Bardet. Ouh là, il faut y aller. Attaque de Romain Bardet. Contador y va, Barguil y va également. Le maillot jaune qui prend la roue de Bardet. Mais attention, il lâche quelques mètres. Contador qui lâche également la roue de Warren Barguil. Et Warren Barguil qui revient tranquillement sur Romain Bardet. Ah, c'est bien Warren. Et Contador en remet une. Attaque de Contador. El Pistolero déchaîné sur cette terre en Espagne. Attaque de Contador alors que vous le voyez, le pauvre Lauren Stendam est repris. Ah, dommage, hein, il ne va pas être d'une grande utilité pour Warren Barguil. Quoique... Et non, il ne peut pas suivre le rythme du maillot jaune. Et Contador a été repris par Barguil. Ah, Barguil qui défend bec et ongles son maillot, hein. Ça fait plaisir. Attention, Valverde, je pense qu'il va en placer une, là, l'Espagnol. Non, pas encore. C'est Mikel Landa en tête du peloton. Le peloton est à 2 km. On a Richie Porte également qui est là. Wood Pulse, attention à la Sky. Un équipier vient. Allez, Barguil est en tête du peloton. Landa reprend le relais. Et nouvelle accélération, hein. Attention, accélération de Mikel Landa. Richie Porte dans la roue. Valverde, Bardet, Barguil, Quintana.
Encore un kilomètre d'ascension. Et Barguil qui aura bien défendu son maillot dans cette ascension. Mais c'est pas fini, on arrive dans les derniers mètres. Et regardez le Français qui se replace intelligemment en tête du peloton. Enfin, du groupe favori. Hein. On ne peut plus parler du peloton. Il y a moins de 40 coureurs. Et il est bien Barguil. Hein. Regardez-moi ça, les amis. Il est vraiment bien sur cette Vuelta. Et il va même passer ici et prendre 5 points hein, puisqu'il passe en tête. Ah, c'est bien. Il va pouvoir récupérer dans la petite descente. Mais attention, c'est pas fini. Hein. Puisque sur l'arrivée, ça va remonter légèrement. Voilà, Warren Barguil dans la descente. Il peut vraiment bien récupérer. Ah, on aura eu la Trek hein, qui aura tenté avec Pantano et Contador. Romain Bardet de la G2R qui aura également tenté sa chance. Mais à chaque fois, Warren Barguil est revenu dans la roue. Et c'est Amador qui reprend le relais du peloton avec Izaguirre dans la roue. Moins de 30 coureurs dans le peloton. Et il reste 13 km 500 avant l'arrivée. Warren Barguil qui tente de récupérer dans cette descente. Et ça ne descend pas beaucoup. Hein. C'est difficile de bien récupérer dans la descente. Les pourcentages de la descente n'offrent pas une grosse récupération, hein, les amis. Allez, Barguil dans la roue d'Izaguirre de la Bahrain Mérida. Et c'est l'Espagnol qui est en tête de ce groupe. Et attaque! Attaque d'Esteban Chavez! Attention, le petit Colombien qui attaque et directement Barguil qui plonge dans la roue, les amis. Et attention, il y a un quick step qui va réaccélérer, à mon avis. Hein. Esteban Chavez qui a tenté sa chance. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Mais Barguil qui revient bien. Et c'est Dan Martin maintenant. Dan Martin qui attaque. À 9 km de l'arrivée, attaque de Dan Martin. Et à nouveau le Français. Mais attention, ça va devenir dur. Hein. Mais ça revient sur Dan Martin. Ah, on a le champion d'Italie qui remonte sur la gauche, Fabio Aru. Voilà, c'est revenu sur Dan Martin, ça va réattaquer. C'est Contador qui attaque à nouveau. El Pistolero déchaîné aujourd'hui. Ah, il veut l'étape, hein, Contador, mais à nouveau Barguil. Regardez-moi ça. On a Fuglsang qui est là également. Chavez, Bardet. Quel est le prochain à attaquer, les amis? Barguil qui se place en tête pour bien montrer qu'il est là. Et qu'il répondra à chaque attaque. Alors qu'il reste 5 km avant l'arrivée. Allez Warren, faut s'accrocher. Bien défendre ce maillot de leader de cette Vuelta. On attend la prochaine attaque, s'il y en a une évidemment. C'est Izaguirre qui est en tête du groupe. Et attaque de Froome. Christopher Froome qui attaque. À 3 km de l'arrivée, attaque de Froome. Et à nouveau, Barguil, regardez. Et Barguil qui réaccélère même, les amis. Hein. Barguil qui se replace en tête. Christopher Froome qui a voulu attaquer, mais Barguil est fort. Hein. Barguil est fort sur ce final. Un kilomètre de l'arrivée, 1000 mètres. Et Froome réattaque. Attaque à nouveau de Froome, Izaguirre. Où on va avoir un beau vainqueur d'étape. Qui est-ce qui va s'imposer, les amis? Ça va se régler au sprint. Izaguirre en tête. Izaguirre en tête. Barguil. Ouh, je pense que c'est Alaphilippe. Et après cette très belle arrivée, les amis, on retrouve Phil Bauhaus, le coureur allemand de la Sunweb, qui lutte pour ne pas arriver hors délai. Hein. On va devoir se battre avec lui pour franchir la ligne et éviter le hors délai. Alors que c'est bel et bien Julien Alaphilippe hein, qui a remporté l'étape. Vous l'avez vu, un très beau sprint. Et Warren Barguil est finalement deuxième, donc il prend des bonifications. Et la troisième place revient à Izaguirre. Donc voilà, Warren Barguil s'en sort très bien aujourd'hui en prenant à nouveau des bonifications. Et ici nous sommes avec donc Phil Bauhaus, le coureur allemand de 23 ans de la Sunweb. Qui va donc devoir lutter et tout donner
pour ne pas arriver hors délai, les amis. Ah, ça serait dommage, hein. On a déjà perdu un coureur hors délai en la personne du Belge Bert De Backer. Il ne faudrait donc pas perdre un deuxième coureur, hein. Après une semaine de Vuelta, perdre deux coureurs, ça serait beaucoup, hein. Et il n'a plus d'énergie, hein. Regardez Phil Bauhaus, il doit s'accrocher. Alors qu'il est avec Cavendish et De Buchère. Il reste encore quasi 6 km. Ils vont maintenant passer en dessous de la banderole des 5 km. Regardez, hein, le 150e, Kampenaerts passe la ligne à l'instant. Donc il est très loin, hein, Bauhaus. Ah, j'espère qu'il ne va pas être hors délai, hein, les amis. Allez, au moins on est dans un petit groupe de 4. Ça aide évidemment. Alors que vous le voyez, André Greipel passe maintenant à la 162e place de l'étape. Une étape, je vous le rappelle, remportée par Julian Alaphilippe de la Quick-Step devant Warren Barguil et Izagirre. Allez, 1 km. 1 km pour Phil Bauhaus de la Sunweb pour éviter le hors délai. Allez, on va laisser les coureurs arriver et on va se retrouver après les podiums et voir si le coureur allemand est hors délai. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement, voici le maillot vert de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Et c'est donc le Français, hein, Julian Alaphilippe qui remporte cette 6e étape de la Vuelta entre Villarreal et Sagonte. Devant Warren Barguil, hein, vous le voyez, Warren Barguil qui prend 6 secondes de bonification. C'est de bon augure pour son maillot. Izagirre est 3ème, il prend 4 secondes de bonif. Valverde se classe 4ème. Thibaut Pinot est 5ème. Froome 6ème. Dan Martin 7. Cummings 8. Mollema 9. Et Tim Wellens 10ème. Bravo à notre petit Belge. Richie Porte 11ème. Quintana 12. Reichenbach 13. Bravo le Suisse. Esteban Chavez 14, Contador 15, Zakarin est 16e, Kwiatkowski est 17e, Aru 18, Woodpulls 19 et enfin Jakob Fuglsang complète le top 20 de cette 6e étape de la Vuelta. On va maintenant aller voir si Phil Bauhaus est hors délai. Et il y a du hors délai, hein. On voit Kittel qui est déjà éliminé, démarre également. Et Phil Bauhaus, oulala, il évite le hors délai, les amis. Oh oh, pour quelques secondes, hein. Ah, ça fait plaisir. Le coureur allemand Phil Bauhaus qui évite le hors délai. Donc c'est une bonne nouvelle pour la Sunweb. Et ici on voit Dylan Van Baarle hors délai. Groenewegen, Arnaud Démare, Pelucchi. Oh là là, il y en a beaucoup, hein. Et évidemment Marcel Kittel hors délai. Donc beaucoup de hors délai sur cette étape. Remporté par Alaphilippe, le classement de l'étape de notre équipe Sunweb. Vous voyez, il termine après d'une demi-heure. Bauhaus. On va maintenant voir le nouveau classement général à l'issue de cette étape. Le voici. Barguil toujours leader de cette Vuelta. Avec 28 secondes sur Froome et 30 secondes sur Porte. Donc une Vuelta très serrée. Thibaut Pinot est 4ème à 1,14. 5ème Nibali à 1,21. 6ème Valverde à 1,26. 7ème Bardet à 1,33. Nairo Quintana est 8ème à 1,36. Izagirre est 9ème à 1,52 et enfin Contador est 10ème à 1,52. Le classement du meilleur grimpeur toujours sur les épaules de Spilak. Tendam est 3ème à 25 points, donc il se rapproche à 5 points de Spilak.
Michael Matthews est toujours leader du maillot vert, de meilleur sprinter de cette Vuelta. Le classement du meilleur jeune est toujours dominé par Alaphilippe. Après sa très belle victoire d'aujourd'hui, la Sky domine toujours le classement par équipe. La Sunweb est à 1.08. Et enfin, Brandl est toujours en tête de la combativité. Et bien voilà les amis, c'était donc une superbe étape hein, remportée par le français Julian Alaphilippe. Warren Barguil fait une très belle deuxième place en prenant des bonifications. Donc c'est tout bon pour notre français qui est toujours leader de cette Vuelta. Mais vous le voyez, c'est très serré avec Froome et Porte. Les trois coureurs qui se tiennent en 30 secondes. Donc ça nous promet une très belle deuxième semaine de la Vuelta. La deuxième semaine qui se rapproche à grands pas. Et donc c'est ici qu'on va se quitter les amis. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne. Ça fait, je vous le dis à chaque fois, toujours plaisir. On se retrouve demain pour la 7ème étape de la Vuelta entre Liria et Cuenca. 205 km au programme, donc une très longue étape. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à demain les amis.